Poursuite dans l'arrière-pays de la tournée des membres de la Cour constitutionnelle après l'étape de Logoué-Ivindo. La délégation a été accueillie dans la province du Haut-Lintembe, dans l'extrême nord du Gabon. La délégation qui vérifie donc les opérations de recensement général de la population. Max Olivier Aubin. Après une journée en voiture sur le long trajet qui sépare Makoko du Haut-Lintembe, les juges constitutionnels sont enfin arrivés à Oyem, Koum et Keng, où ils prendront leur quartier à l'hôtel Mikebe. Comme dans toutes les provinces où ils sont passés, ils ont tenu une grande réunion avec l'ensemble de l'administration à l'hôtel de ville d'Oyem, où ils vont expliquer l'objectif de leur mission en présence du nouvel édile de la ville d'Oyem, Vincent Esson Mengue. Madame Luzangue, juge constitutionnel, fera ici l'économie de la mission de la Cour constitutionnelle. Le constituant a prévu que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur le recensement général de la population, entre autres. Elle connaît beaucoup d'autres sujets. Parmi ces sujets-là, il y a le contrôle de la régularité des opérations de recensement général de la population. Comment elle doit contrôler les opérations de recensement général de la population? Je vous renvoie à ce moment-là à la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui donne des détails. Vous pourrez aller lire à partir de l'article 110A de la loi organique sur la Cour constitutionnelle jusqu'à l'article 110B qui lui indique comment elle doit faire, principalement. Après cette réunion, le travail va immédiatement commencer avec les chefs de quartier et autres auxiliaires d'administration, avec toujours pour les membres de la Cour constitutionnelle et leurs assistants le même souci qui les anime depuis le début de leur mission: récolter le maximum d'informations possibles pour pouvoir rendre la décision sur le recensement général de la population et du logement. Après s'être divisés en petits groupes, les juges constitutionnels se sont rendus dans les différentes localités de la province du Haut-Lintembe.